Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monster Hunter World Iceborne. Commençons. Nous sommes par ici. Créer, oui c'est bien. Hop, hop, super. Dans l'épisode précédent, il y a eu trois nouvelles quêtes libres qui se sont retrouvées exécutées. À savoir Tomber du ciel, qui était face à un Rathalos, une lame parfaite qui était face à un, j'ai oublié son nom, mais Jean-Jacques l'escrimeur, là, le dinosaure qui a une queue gigantesque avec une lame au bout et qui est capable de l'enflammer. Et en rouge et noir avec un Rathalos et un Nargacouga, j'espère pas me tromper dans le nom parce que je sais que je me trompe une fois sur deux, voire deux fois sur une. Qui était du coup une grande chasse avec deux cibles, ce qui n'était pas rien. Est-ce que j'ai joué depuis la dernière fois? Je ne sais plus. je ne sais plus. Peut-être. Peut-être, je ne suis pas sûr. Si c'est le cas, il y aura peut-être eu quelques avancées sur la forge des armes. J'ai envie de dire oui. Encore une fois, sans grande conviction, mais j'ai envie de dire oui. J'ai sans doute fait quelques chasses hein, entre l'épisode précédent et celui-ci pour avancer dans la forge des armes. Je crois que j'ai désormais la lame de Nargacouga, la Volto H version Nargacouga, mais pas la plus évoluée. Il faut que j'ai une mante Nargacouga pour ça, si je me souviens bien. Voilà, exactement. Et puis après, plein d'autres joyeusetés à faire. Donc je sais plus ce que j'ai créé, mais rien qui ne vienne remplacer mon Valk sulfurique, si je me souviens bien du terme, du nom. Je ne sais plus non plus mon nombre de coupons, donc je vais laisser le bonus de connexion comme ça pour le moment. Et au niveau de mon sac, ça a l'air plutôt bien. Ça a l'air plutôt propre. Il va falloir refaire des méga nutriments par contre, dans pas longtemps, donc limite tout de suite. J'ai beaucoup de matières premières, mais j'ai pas encore utilisé toutes ces dernières pour faire de l'artisanat, donc on va en profiter un petit peu ici. Prendre deux petites secondes pour se faire tout ça. Parce que mine de rien, ça peut partir très vite. Voilà. Alors, ceci étant fait, on va continuer sur cet épisode notre lancée concernant les quêtes dites libres en difficulté RM3. Par ici. Parce qu'on en a encore presque une page de quêtes entre guillemets standard, hein, en dehors des arènes spéciales, et ensuite presque une page d'arènes spéciales. Bref, de quoi faire. Commençons par une chasse d'une cible unique, un Diablos, pour la traversée du désert, demandée par l'écologiste en chef, qui nous dit qu'il est impossible d'étudier les cactus dans le désert à cause d'un Diablos qui surgit de terre pour nous arracher les boyaux. Terrible s'il en est. On va aller ici. Les coupons sont au maximum. Est-ce que j'en utilise un pour récupérer derrière? Je ne sais pas. Allez, faisons. Pourquoi pas. Un petit peu de folie. Au niveau des joyaux, est-ce que je suis sur les joyaux de vitalité classique? On va regarder ça vite fait. Joyaux. Oui, on est sur les joyaux de vitalité. Peut-être pas mal de prendre plutôt des anti-tremblements ou des choses comme ça, mais la sismologie c'est du niveau 2 et je me suis pas mis de niveau 2 pour du confort de vie. Oula. Prendre plutôt ça. Et un petit peu de défense physique parce que pourquoi pas. J'ai Nadia qui me mime des trucs. Donnez-moi deux secondes. Visiblement, elle essaie de communiquer.
Elle me disait comment elle a gagné aux échecs dans Baldur's Gate 3. Incroyable s'il en est. Alors ça c'est bon, on va prendre le cactus ici parce que pourquoi pas, quitte à être en haut de en haut du monde. On aura au moins récupéré ça. Et maintenant 15. C'est par ici. Avec un Anjanas tonnerre, pas très loin non plus. Alors, c'est comment? C'est comme ça. C'est vrai que j'ai les alliés aussi ici. Ah! La Diablos Noir en plus. Ça, ça, est-ce que les alliés viennent ou pas? Voilà, dégage. Guerre de territoire entre les Diablos, c'est possible ça? Comment ça se fait? Toujours été potes, non? Ah, tant mieux, hein. Le Diablos Noir qui a gagné. Premier pour moi. Quel plus casse. Sauf que c'est lui que je veux. Mais attendez, mais s'ils se cassent tous les deux au même endroit, ça va être compliqué. Envie de combattre les deux en même temps. Ok. Ok, Diablos Noir se casse. Excellent. Que, apparemment, il fait bien ça. Dommage, je pensais avoir le temps de lever mon bouclier. Saleté. Mais décidément, il s'arrête plus. Ah, il est vivace, hein. Tout de même. Ah, par contre, le fait qu'il s'enterre directement à chaque fois, c'est un enfer. J'aurais dû prendre des capsules sonores aussi, mais c'est vrai que j'ai pas pensé. Ah bah, je me suis relevé trop tôt. Bon, remettons-nous dedans, là j'ai pas fait grand chose de constructif. On peut faire largement mieux. Tac tac tac. Ça je me le garde. Quand je vais me soigner. J'ai perdu mon paladin aussi, ainsi va la vie. Donc on n'est pas sur une exécution folle aujourd'hui, visiblement. Et on va s'en sortir. Voilà.
Et zou. Ça c'est bien. Alors, on se remet dedans. Maintenant il est fatigué, d'accord. Tape le diabolus noir derrière. Il va falloir rééloigner le diabolus noir. Ok. Recharger le bouclier. L'épée. Bien là. On fait bien ici. Ça boit, ça boit. Il m'en veut. Il m'en veut, il fait les deux tiers de ma barre de vie. Sans patache enfin. Mais... J'ai appuyé sur triangle, pas sur R2. Quelle vie. Alors il y a, quand j'appuie sur triangle et pas sur R2, parfois ça sort la hache. J'imagine que c'est si je viens de bloquer un truc, ça sert de raccourci ou je sais pas quoi. C'est encore très aléatoire pour moi. Bon bah j'ai plus droit à l'évanouissement. Hein. Je vais prendre un petit... Je peux pas prendre un allié chat là. Non. Enfin un tour. Tant pis, flamme. Ah bon. C'est pas la pure folie. On prendra des points de vie à la première occasion pour me soigner. Dans le mode H en plus. Ah, bon bah, peut-être la fin. Ah non, Bubblegum qui va sauver. Pense-y avec ça. Bon, faut que j'arrive à me mettre dedans. Visiblement, j'ai un peu de mal. Voilà.
tour. En fait, faut pas que je le poursuive autant parce que à chaque fois, je vais juste jouer au basket avec lui là. Voilà, faut que j'arrive au niveau de la fin de sa course. Là, par contre, c'est sans fin. Enfin. C'est bien mignon, mais... Ah mais en plus, je suis déstabilisé tant qu'il creuse, enfin... C'est fou. C'est complètement fou. Ah là, par exemple, oui. Encore une fois, je vais bloquer et je me retrouve à avoir la hache de sortir. Bonjour, enchanté. J'aimerais balancer une capsule, s'il vous plaît. C'est loupé. C'est reloupé, je crois. Bon, j'ai réussi à louper toutes mes capsules de bouge aussi. C'est bon. Je retourne au camp pour aller en chercher. J'ai plus qu'une vie et j'en suis encore à me dire mais bon. Ok. Ok, refond vers le territoire. Ça va faire des dégâts sur mon Diablos à moi, hein, qui se fait bolos à chaque fois. Et c'est tant mieux. Il se casse. Moi aussi, il faut que j'arrive à m'échapper par contre. Bon. Y arriver. Alors que la musique s'enjaille. C'est tout. Ok. Faut toujours 35 points de dégâts. Un seul coup. Il bouge tellement en même temps. Ok. La cape. Ok, l'engin stunner qui est là aussi. Je vais pas demander mon reste. Très bien.
Le Questodon, la Questodon qui continue de tenir hein, dans l'équipe. Bravo. Les bons dégâts qui partent. C'est pas plus mal d'être d'être tombé en contrebas pour ah là par contre c'est un problème. Bon, toujours debout mine de rien, qui l'eût cru, créer un départ catastrophique. C'est fou, j'ai l'impression de revenir à mon premier Diablos. Je pense que le... entre guillemets, le souci, hein, pas vraiment, hein, ça reste du joyeux jeu vidéo, mais... parce que le souci vient plus de moi que du jeu, hein. C'est pas que le Diablos là soit particulièrement plus fort que tous les Diablos que j'ai pu combattre dans ma vie. parce que je crois que j'en ai combattu en maître déjà, non? Peut-être pas, hein, peut-être que c'est la différence. Et je serais pas étonné de l'avoir déjà fait. Ici on a 2-3 trucs. C'est vraiment juste parce que c'est frais. Puis après on va augmenter. C'est la défense physique et puis voilà. Ouais non, je pense que ça vient de moi là. J'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Alors que j'étais vraiment chaud, et je le suis toujours. Hein. J'étais vraiment chaud en me disant tiens, je vais jouer et tout, ça va être fou. Un petit peu plus d'énergie qu'avant. C'est dingue. Et je suis un peu déconnecté là, je sais pas. Ça, pas plus mal. C'est lui en fait.
assez ravissant. Ah, je pensais pas. Pas pour moi. Sur Régis. Très bien. S'il met du temps. Alors qu'il s'enrage. Pas sûr, mais je crois qu'il boite. Par contre, ça va être difficile de le voir s'endormir vu qu'il y a la Diablos Noire dans le nid aussi. Quoique. Juste qu'elle se casse. Espérant qu'avec ses rugissements, elle réveille pas mon Diablos. C'est très bien. Elle revient. Ouf. Eh bien, dis donc. C'était une chasse qui avait rien d'extraordinaire. Alors, le Diablos reste le Diablos. Hein. Une belle bête. Mais il était tout seul dans le principe. Hein. Bon, bien sûr, une fois sur deux, il y a un Diablos noir qui se balade aussi, mais... Mais c'était une chasse sur un monstre unique, heureusement, finalement. Qui s'est passé dans un contexte un peu plus classique, et pourtant j'ai eu un mal fou. Mais là, je sens que c'est mental, hein, c'est mental. Je me sens... Alors c'est physique aussi, sur l'exécution physique, mais guidé par le mental, je me sens un peu déconnecté, là. Ça va être difficile de se replonger dedans, en espérant avoir un bon niveau sur les... Pour mon niveau à moi, hein, je précise. Sur les... Ah bon, très bien, nouvelle calibre. Les chasses suivantes de cet épisode, mais bien sûr, tout tenté. Or que, comme dit, très, très enjoué, l'idée de jouer et tout. Et un petit peu plus d'énergie. Encore une fois, sur une pente... Hop, donnez-moi deux secondes, j'essuie mon verre. Sur une pente montante en termes de morale. Je sais pas. Je sais pas, peut-être que j'ai joué un peu de malchance, que j'ai eu un petit coup de barre en passant d'un coup sans m'en rendre compte. Peut-être que les histoires d'échecs de Nevia dans Baldur's Gate m'ont pris plus de ressources cérébrales que ce que je pouvais imaginer de manière consciente, je ne sais pas. Est-ce qu'avant de lancer l'enregistrement, j'étais allé la voir, je disais qu'elle avait du mal avec un puzzle qui était aux échecs et... J'avais donné deux trois possibilités, ça donnait rien. Je comprenais pas trop pourquoi, elle m'a dit quelle était la solution.
Elle a utilisé un... on ne trouvait pas sur internet non plus, elle a utilisé un software qui montrait les coups aux échecs et ainsi de suite. Merci beaucoup. Peut-être que je pensais encore à ça d'une certaine manière, je sais pas. Paf paf paf, full recherche, allez, tantôt. Sachant que j'ai beaucoup de mal à faire plusieurs choses en même temps et... On va penser à plusieurs sujets en même temps, hein. C'est pas mon forte. Hop. Donc bon. On va se mettre ça. Voilà. Puis on va partir pour une nouvelle chasse, hein. Espérer que... Espérer que ce soit plus facile pour moi d'être véritablement concentré. Du coup, c'est quoi une nouvelle quête? J'ai pas l'impression. Ou alors c'est une nouvelle quête en RM4. Ah oui, un amour imaginaire. On a débloqué celle-là. Oula! Est-ce qu'on a envie d'être dans ce mindset-là et de faire une grande chasse? Je ne sais pas. Grande miettresse cuistot. J'aimerais ajouter un peu de piquant, mais recette, il manque un ingrédient. Pour cela, il va falloir combattre une bestiole dont j'oublie le nom à chaque fois et une ratiane. Un glavenus, peut-être? Est-ce qu'on en a un quelque part, là? Ça doit être glavenus. Ah oui, là. Glavenus. Tentons. On va arriver par où? Aucune sorte d'idée. Je pense aller vers les... partie 2 ou 3, ça doit être pas mal. Il va y avoir la ratiane par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que je reste là-dessus, sachant que je peux être brûlé ou empoisonné? Mais brûlé par 2 ennemis, empoisonné par 1. Je pense que je vais prendre Ignifuge. Ignifuge. Et puis voilà, hein, ce sera tout. Parce que là, si j'enlève ça, je perds des trucs sympas quand même. Allons-y avec ça. La cantoche, bien sûr, parce qu'en plus on fait ça pour la cantoche, donc c'est pas rien. D'accord. Plus qu'il y a un légume frais, merveilleux. Petit bonus un peu partout. Pourquoi pas. Allons-y, allez, on se secoue. Hop, 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 on se met des petites baffes comme ça, là. Hop, on agite les bras. Je ne ressemble à rien. Bois un coup, peut-être. Allez, ça, on sait faire, boire un coup. Qu'est-ce que j'ai bu un coup? Ok. Allez, on oublie, même si ça a été une victoire au final, on oublie... le départ désastreux de la chasse précédente. Faut y croire. Il y a un Diablos qui se balade parce qu'on adore ça. Est-ce que j'appelle mes potes pour la ratiane? Non. Non, je vais attendre même. Je les appellerai pour le Glavenus. Ne pas sous-estimer la ratiane pour autant, bien sûr. Je vais appeler mes potes... Même si le l'Acestodon est quand même très forte, hein. Je pense qu'elle survivra aux deux combats. C'est pour le Palico. Au deuxième combat, pour sûr. J'arrive ici, je prends ça et puis en avant. Hein. La ratienne est bel et bien là. Avant qu'elle s'envole. C'est plutôt en train de marcher.
c'est cadeau. Apparemment, un petit coup de hache cadeau comme ça, c'est toujours sympathique. Attention aux charges, hein, c'est un peu le thème de cet épisode. Aratiel qui charge beaucoup, Diablos qui charge beaucoup aussi. Un amour pour les charges. Et attention parce que je peux me faire empoisonner. D'habitude, c'est vrai que je suis équipé en antidote contre les Aratiel. Là, c'est pas le cas. Alors, j'ai l'objet, heureusement. Pas d'immunité. Ok. Excellent. Tant pis pour la charge, heureusement, j'avais la cape. Okay. Bah, je reviens devant. C'est la grande passion des boules de fond. Au lieu de esquive peut-être. C'était gourmand. Ça aussi. Deux stacks seulement de proc. Deux coups là. Tac. On vient ici. Je suis poursuivi. Soin. Ok. J'ai pas profité comme il fallait, c'est pas grave. C'est déjà bien, c'est une bonne altercation, ça s'est bien passé. Alors, par où est-ce qu'il va? Par ici, je vais bouger là. Zoup. Je pense qu'ils s'envolent pas. L'air toujours vénère. Très bien ça. C'est lent même. Je suis un peu enjaillé sur ce coup-là. Oh.
Dommage. Hop. Le poison. Très bien. Oh. Voilà. Petit gnaquage très gentil. Zou. C'est chargé. Faire ça longtemps. Ah, je crois que je comprends. Non. Je suis directement arrêté. Je crois que je comprends pourquoi j'avais la hache, peut-être que j'ai encore R2 enclenché en me protégeant et que j'appuyais sur triangle, mais ça faisait triangle plus R2 du coup un coup de hache. Mais je suis pas sûr, donc je vais rien dire. Ah dommage, ça va être l'orientation de ma défense qui était pas bonne. Ah mince, double coup. Voilà. Ça fait du bien. Voilà. Ok, c'est capturable. Hop, hein. Je pense qu'on se doute de la direction de cette Ratiane. Le Glavenus est juste à côté. Ça donne envie, mais... je sais pas si la Ratiane dormirait dans son état, à son nid, non-stop. Alors, je préfère m'assurer d'avoir une Ratiane endormie à son nid, plutôt que de risquer de devoir combattre la dernière phase. Parce que j'ai juste voulu profiter de la proximité du Glavenus. Hop là. Tac. J'ai pas très envie de looter aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. Je passe à côté des herbes, des champignons, mais aussi des minerais, tout le reste. C'est quand même un jeu qui récompense le stockage. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, visiblement, pas du tout. Alors. Voilà la bête. Tac. Ah. Normalement, le Glavenus m'a retrouvé de toute façon. C'est merveilleux. Pas besoin de le chercher. On va mettre une cape. Activer ça. Et ce médecin. Ok. Je sais pas si j'ai le temps d'utiliser le gadget, je suis pas sûr. En tout cas, ça s'enchaîne directement.
parce qu'il est tourné, mais non, il s'enflammait la gueule. Attention parce que ça explose après le coup. On doit être au milieu du cyclone avec la Vénus. Qui est au milieu de la Ratian, très résistante dans son sommeil. Ok. La altercation. Était au Kétia. On fait des choses extraordinaires, mais pas non plus perdu de vie. Par ici, je peux activer mon signal. Il est un peu plus simple. Questodon et un paladin avec nous. Nouvelle cape, on est parti. Ça tue. Bientôt plus avoir de cap. C'est fait. Excellent. Oh, j'ai du bubble qui attaque, c'est beau. J'ai pas pensé à prendre le boule de feu, pardon. Donc, ah, c'est relâché trop tôt. Le bouton. Oh, c'est passé. J'ai eu de la chance.
tourne. Je sais plus quand est-ce qu'il tourne pas, je veux dire. Petit soin. De toute façon, lui-même veut arrêter. Hop, on va réaiguiser. Le paladin est toujours debout. Je pense qu'on a très bien fait de ne pas l'invoquer pour la Ratian parce qu'il aurait été décédé alors qu'il est. Oui, c'est vrai qu'il faut que je refasse un piège ici si je veux pouvoir capturer le Glavenus. Avec un piège électrochoc en tout cas. J'ai de nouveau une cape par ici. Je crois que c'est un endroit avec des gages à la canne, non, par ici. Ah, c'est la cape. Bon, voilà. Hop. Ça se met. Garde offensive, ça va avant de faire les dégâts si possible. Là, c'est Spidoui qui peut le faire. Coup derrière. Oh oui. J'ai plus la cape. Oh bois. Il a très bouché. Pas du tout en état de boiter pour le moment. Donc ça n'aura été que des très bons dégâts bonus sur la fin de l'altercation. Popo. Alors le paladin n'est plus, hein, en même temps, dans le couloir de la mort, je pouvais m'y attendre. Des chats par ici. J'ai un Kestodon avec moi, est-ce qu'on peut faire une alliance? Allez, on va prendre ça. Est-ce que je peux monter par ici? Ah, il est fatigué, mon adversaire. Excellent. Excellent, excellent, dépêchons-nous. Bonjour, bonjour. Un troubadour me rejoint. Ah, il n'est plus fatigué. Cette époque est révolue. Bonjour. Est-ce que j'ai une cape de prête? Oui. Thank you.
peu pété la full discharge arrière, mais... Ouais, il a l'air d'être vraiment au bout de sa route. Il a l'air de plus en plus de mal à tenir debout. Sa musique. Ah, j'ai envie de... C'est chargé quand même, c'est bon. Il boite, merveilleux. Ah, j'ai plus la cape. Alors, heureusement que... heureusement qu'il boite maintenant, parce que... Je commençais à ne plus avoir d'outils de survie, moi. Alors, attention, parce que je vois qu'il est dégagé à la cape par là. Je sais que j'ai déjà dit ça avant, et que finalement, il n'y en avait pas. Par ici, ouais. Et voilà qui danse. Zou. Bon. Ça s'est magnifiquement bien passé pour le coup. Ça rattrape complètement le contrat précédent, enfin le contrat. La quête précédente. Superbe. Ah, et on a gagné le spiritueux ardent. Tout pour plaisir. Petite boisson en plus là. Comme ça on a plus de chances d'avoir des ingrédients frais du côté des boissons qui me donnent pas de bonus de stats. C'est parfait. Mais bon, on fait plaisir à maman chat qui fait de la tambouille pour ses petits. Donc bon, à partir de là, toujours une victoire en soi. Et on est presque à une heure de contenu, mais on est en dessous de la une heure tout de même, hein, donc on pourra faire une troisième quête. On veut la tradition, mais ce qui n'est pas forcément sûr quand il y a quelque chose d'aussi gros qu'une grande chasse. Ça c'est pris, ça c'est pris. Ça, ça vaut le coup, surtout si je joue entre les sessions, ce qui n'est pas forcément sûr, mais allons-y. Allons-y. Ah oui, j'ai de l'entomologie aussi. Je vais prendre le 2. Sur un malentendu. Ça peut passer sans s'en rendre compte. Ah, j'ai un problème de boîte à piège. Faut que j'en achète. Qui vend des choses? Parce que ça, c'est Argosy. Est-ce qu'il y a un bazar quelque part? Je me suis jamais posé la question. Ah oui, c'est juste en face de moi. Ah oui, il était caché. Alors, non, vers le coffre, merci. On va se remettre des bons petits kits de piège.
Super. Ceci étant fait, à la cantoche. Ou la cantoche d'ailleurs. Oui, il est là. Rien de nouveau, hein, pas de point d'exclamation. Juste un nouvel ingrédient. Legiana abandonnée. Chasser un Legiana. Depuis l'exode des Legiana vers les terres perdues, il y a une pénurie de spécimens à étudier dans le plateau de Corail. Heureusement pour nous, un retardataire a été repéré, ne laissons pas passer une telle chance. On va aller plutôt par ici. Legiana. Au niveau des joyaux, on va remplacer les ignifuges par de l'antigel, celui-ci. Voilà. La cantoche. Et nous voilà partis. Bon, premier abord, je pourrais me dire un Legiana, c'est un monstre classique aujourd'hui. À ne pas sous-estimer comme n'importe quel monstre, hein. Même un grand Jagras, on ne le sous-estime pas, bien sûr. On l'estime, c'est un bel adversaire. Mais, néanmoins, un monstre classique. J'aurais pu dire la même chose du Diablos du début. Et on a vu ce qu'un moment de faiblesse pouvait causer au quotidien des chasseurs. Alors, attention. Ah, il était obligé de crier deux fois, j'avais réussi à stopper le premier. C'est dingue. Mais bon, allons-y. Bon, on rentre directement dedans. J'aurais besoin d'un Régis. C'est d'avance. Bien joué ça. My little babo. Est-ce que je peux charger mon bouclier? Oui. Nous avons Régis sur place. Profitez pour charger ça. Peut-être une cape aussi. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui bouge? Bon sang. Oh la bête. Quoi faire, excellent.
soigner. Ça. Ah bah. New. Terrible. Tant pis pour la cape, tant pis pour les fioles. Pardon. Limite, avant que les fioles ne disparaissent, je vais les mettre dans le bouclier. Et voilà. Alors. Encore que, il est peut-être pas si loin que ça. Ah, oh, c'est un raid horrible ça. Attention au poison. J'étais bête. Vas-y, Bubble, montre-lui. Le dire, il est colère. Excellent. Très bien. Oh oui, oh les dégâts. La témérité qui a tout balancé. Encore bien sûr très très bien. J'avoue que cette dernière décharge a fait des dégâts monstres. Ça a rattrapé une bonne partie de l'escarmouche qui était ok, on va dire, mais qui n'était pas non plus phénoménal. Il y a quand même eu des bons moments où il était déstabilisé, hein, il tombait, il était étourdi. Quelqu'un de très gentil, mais d'un peu étourdi. Hop, la cape du gardien va bientôt être prête, ai-je l'impression. Un peu de chance le temps que j'arrive jusqu'à ma cible. Oui, excellent. Tout ce qu'on aime. Whiz! On va la mettre dès maintenant. Je vais aussi équiper ça, parce que pourquoi pas. Et toi, tu restes là. Oh! Oh, moult gens qui l'aident! C'est bon!
c'est comme un piège, mais fait par des chats. Oui, je crois que c'est la première fois que je vois ça, ou ils tirent tous sur des liens. Ah, ça remplit mon cœur de joie, je me sens épaulé. Ça dure longtemps en plus, hein, la vache. Ça dure plus longtemps qu'un piège classique. Puis après, ils sont tous en question, bien sûr. Est-ce que c'est parce que j'ai augmenté mon niveau d'amitié avec eux, et du coup, on fait des trucs de folie comme ça? Toujours aussi disruptif. Oh là là, il y a du dégât. Du dégât cadet, c'est sûr. Pas la reine, je trouve. Excellent. Oh, ce piège des filines est tellement stylé. Ça va durer très longtemps. Il faut avoir pas les petites charges comme d'habitude, hein. C'est le thème en même temps, on l'a dit. Oh, quel dommage! Si proche de la tête. C'est vrai que j'ai pas encore appelé mes amis aussi. Je pense que je vais faire ça. Je vais aussi équiper capsule de boost parce que je vois qu'il y a une Ratian Sakura à côté de la proie. Et je suis pas là pour ça. Et se casse tous. Ah voilà, j'ai touché le Guyama uniquement. Je suis bon pour remonter, hein, j'imagine. Mais c'est comme ça. Oui, c'est juste là. Ok, ça c'est chargé. Puis ici, hein, pour l'instant. Ah,
bon coup au niveau de la tête. Pas de bam finalement. Ah, je vois le petit crâne. Il est parti là? Parce qu'il est toujours avec le cadre rouge. Je sais si je pose un piège ou pas. Et il est parti. Et il est là-bas. Là-bas, il s'envole. Il s'envole, il s'en va. Toujours en combat, mais... Ah, mais vu que je suis en combat, je peux pas me... D'accord. Je crois que je suis en combat avec quoi? Les Vespoïdes? Quelle est cette histoire? Bien joué, ça. Ah, la musique se calme. Toujours le vilain contour rouge, c'est bon. C'est bon, c'est merveilleux. Tac, tac, tac. J'imagine que ça reste le 12. Hein. Il n'y avait rien de plus proche. Bon. Peut-être, peut-être pas. Je me souviens plus. Je crois pas, non. Peut-être pas. Alors. Et bon, pour retourner tout en haut. Le temps de faire une petite capture. Et nous serons bons pour cette mission. Enfin, cette quête. Parce que mission, comme dit, c'est les quêtes d'histoire. Avec ça là. Ah oui. Tout de même. Hein. Et le voilà, qui rompchit. Pas se tromper de fumée. Cool. Merveilleux. Bon bah ça a été aussi cette quête-là. Bien passé. Oui, oui, oui. On retombe dans la petite routine. Agitateur et afflux de vie. Minoustrel, plus de vie. Il le mérite. Il le mérite, ils ont fait un piège extraordinaire qui a duré extrêmement longtemps. Merci les Minoustrels. Et l'un de leurs meilleurs musiciens nous a accompagnés sur la deuxième partie de cette mission, nous permettant de profiter des meilleurs tubes de cette magnifique contrée qu'est le plateau de corail.
Ce sera kit ou double contre le Valkana. Bah, pour rien, ça en fera en dehors des épisodes. Hop. Donc, je verrai au final. Tac. Rien de nouveau. Je crois pas en tout cas. Excellent. Ça nous aura fait 3 nouvelles quêtes ici. Le début de l'épisode aura été un peu plus fastidieux. J'ai fini par réussir à me remettre dedans. Et donc 3 nouvelles quêtes ont été complétées. On a une page. Une page de complétée. En vrai, une page et une case, mais on va dire une page de complétée. Un petit peu plus d'une demi-page de quêtes classiques qui nous attendent encore. Dont des grosses quêtes. Hein. Tigrex plus Radoban ici. J'ai oublié son nom. Brachydios plus Uraban, hein, c'est ça. Uragan, plutôt. Loin d'être évident aussi. Donc j'espère que je serai dans un bon jour. Mais c'est important aussi de voir des débuts, des milieux ou des fins un petit peu plus difficiles. Parfois, chasseur, ce n'est pas être toujours au meilleur de soi-même. Mais c'est faire ce qu'on peut pour sauver sa peau. J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve pour la suite dès que possible, et comme à l'accoutumée d'ici là, portez-vous au mieux, des bisous, bye.